Chers petits observateurs, c'est mercredi 18h. On reçoit des petits observateurs avec leur voiture. Aujourd'hui, c'est un monument. Je suis intimidé moi-même. C'est une Corvette Stingray de 66. Vous n'allez pas en voir souvent. J'étais très épaté que son propriétaire, Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Ose venir avec, c'est super gentil. Waouh, là on a respect quoi. C'est gentil de votre part en tout cas. Elle est de quelle année? Elle est de 66. C'est une des deuxièmes séries, c'est ça? C'est la série 2 et c'est l'avant-dernière de la série 2. D'accord. Ça s'est arrêté en 67, celle-ci c'est donc une 66. En 67, ils devaient sortir la C3, mais ils n'étaient pas au point au niveau de la carrosserie. Corvette C3, faut dire. Voilà. Ouais. Et donc c'est l'avant-dernière et pour moi c'est la plus jolie, la plus sobre, elle est dépouillée de tout artifice, il n'y a plus de fausses prises d'air, les aérations verticales sont fonctionnelles, on va tout regarder, etc. Vous allez me montrer, parce que moi-même je suis... Qu'est-ce qui justement, c'est quoi la petite observation qui vous touche le plus chaque matin quand vous la regardez? S'il y a un détail pour commencer à l'extérieur qui vous chaque fois fait « waouh ». Alors c'est une voiture qui est remplie de jolis détails, il y en a une qui n'est pas inattendue. Il y en a un qui me plaît, c'est le bouchon du réservoir et l'ensemble. C'est donc, le bouchon là? Alors ça c'est l'enjoliveur, enfin le cache, ouais. On va voir, et après il y a le bouchon. Voilà. Et on a... Viens voir Julien, viens le prendre, parce que Wally il fait un peu les... Ce qui est dommage c'est qu'en fin de compte j'ai mis une clé dessus, avant j'avais un bouchon qui s'enlevait facilement, et en fin de compte l'orifice est énorme, on pourrait mettre trois pistolets dedans, et on voit le fond du réservoir, parce que le réservoir c'est un tank qui est là, posé sur le châssis, et on voit D'accord. le fond. Donc, à la limite, on voit où on en est sans la géo. Il n'y a pas besoin de géo. Mais c'est un plaisir de faire le plein sur cette voiture. Voilà, parce que... On parlera de conso après. Juste pour les puristes, on voit que là, il y a une ligne. Oui. Alors, il y avait l'année d'avant, il y a eu celle qu'on appelle... Alors, c'était en 63, c'était la Split Window, qui n'a duré qu'une année. Il faut expliquer Split Window, c'est-à-dire la vitre arrière était séparée en deux. Il y avait l'arête qui continuait du début du capot jusqu'à la fin. Au niveau du design, c'était intéressant. Bon, moi, je trouve que c'était un petit peu baroque parce que c'est des références un petit peu au Bugatti Atlantique, des choses comme ça. Donc, pour une voiture futuriste, on était dans du futurisme un peu rétro-futuriste pour l'époque. Et donc, ça n'a duré qu'un an parce que les utilisateurs se sont plaints d'un problème de visibilité. Je crois que c'est Bill Mitchell qui a insisté et qui a vraiment voulu ça. Et des gens après, donc en 64, ça a disparu. Et des gens qui avaient des 63 ont aussi fait modifier leur 63. Je vous pose la question à dessein. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de le monde de la collection est très bizarre. Les versions avec le Split Window valent plus cher. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Elles vaut déjà. Parce qu'elles sont plus rares. Ouais. Parce que chaque année, en fin de compte, il n'y a eu que 20 000. Il y a eu une dizaine de milliers de coupés chaque année. Ouais. Il y avait 10 000 cabriolets, 10 000 coupés. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 10 000 split window. Et la production totale des Corvettes, ça a été 120 000 sur ces 5 années. Quoi. D'accord. Vous pouvez m'ouvrir la portière? Bien sûr. Il y a un détail qui me frappe. On avait déjà des portes qu'on appelle, autoclave, ou je ne sais pas comment on dit. Mais... Je ne sais pas, mais en effet, ça permet de l'accessibilité puisque la vitre est assez basse. C'est une ligne basse et donc ça permet de rentrer vraiment plus facilement. Ce qui procure éventuellement des petits problèmes de fuite. Là, on a un joint d'époque qui va être changé. Ou ça, là Oui, était vissé, visiblement. Ah oui, vissé. Alors, c'est une carrosserie en fibre. D'accord. Toutes les Corvettes depuis 1953 sont en fibre. Et sont toujours en fibre, d'ailleurs. Ouais, je ne vais pas faire l'offense à nos petits observateurs, mais Corvette, c'est la sportive américaine qui existe toujours. On est à la C7, C8. Voiture de sport de série américaine. Voilà. Qui était inspirée de l'Europe, entre guillemets. Oui. Mais qui n'a jamais arrêté sa production, c'est ça qui est génial. Voilà, il y a toujours eu, je sais plus, on doit être au moins en C8, et ça redevient intéressant. Je vous laisse monter dedans, je viens à côté de vous, on va faire notre petit tour. C'est quoi ça, là? Ça c'est l'ouverture? Alors ça c'est l'ouverture. D'accord. L'ouverture de la porte. D'accord. Et ça c'est le plus petit défecteur qui s'ouvre, normalement. Ça. Voilà, parce que cette voiture a l'option des vitres électriques. Qui était une option de la GM à l'époque. Voilà, une des multiples options que j'ai.
J'ai aussi l'option de la colonne de. Montrez où vous l'avez. Ah, c'est énorme. Voilà, ça. On la repousse et on ouais. la déroule. Ça, c'était une option. Ouais. Ça, c'est une option. Oh là là, j'adore ça. J'ai d'autres options mécaniques, mais je n'ai pas la radio. Il n'y avait que 2% des corvettes qui n'ont pas eu la radio. Elle était là, à la Elle verticale. Elle était là, très jolie, verticale, avec deux autres boutons. Ça, c'est joli. J'en ai acheté une, mais je ne sais pas si je vais l'installer en fin de compte. Dis-donc, il y a une question qui vient. Ça ne s'ouvre pas, en fait. Non, c'est une soute. C'est une soute. Pour la rigidité, ils n'ont pas, à partir de 63, ça ne s'ouvre pas, et même les cabriolets ne s'ouvrent pas. En 62, l'arrière était déjà celui de 63, et il s'ouvrait pour les cabriolets. Et après, non, le châssis est différent aussi, tout c'est est différent. C'est magnifique, parce que là, la moquette est d'époque, là, ce truc... C'est assez joli, là. Je ne sais pas de quelle époque elle est. Voilà, et puis on a un magnifique plafond flottant. Ouais. Alors, j'ai commandé hier le remplacement. Voilà, mais déjà, même dans les golfs des années 80, c'est la maladie. Toutes les Jaguars. Il y a un carton, une mousse, et puis ça se désagrège. C'est collé, ça, en fait, bêtement. Ouais, bêtement. De ce nom. C'est quoi les deux petites manettes là qui ressemblent à des deux tirettes? Alors, c'est les deux petites manettes, non, ce sont les manettes de ventilation qu'on trouve. C'est vrai. De chaque côté, vrai. Voilà. En fait, c'est le. Voilà. Ah ouais, c'est. Donc on ouvre, donc ça ventile assez bien. Hein. D'accord. Ah oui, c'est le chauffage en fait. Enfin, c'est l'aération. Ça, c'est l'aération. Le chauffage, il est plutôt par là. C'est-à-dire, on gère la température, etc. Et il y a aussi une ventilation électrique assez efficace. Enfin, j'étais surpris de l'efficacité en tout cas. Allez, on va démarrer, on va faire notre petit tour. De toute façon, on va revenir. Ouais. Sinon, Julien va me. Ah là. Donc c'est forcément un V8, il y a trois vitesses, c'est ça? V8. Alors non, c'est un V8 boîte auto, deux vitesses. Deux vitesses? Mais comment on fait quand on a que deux vitesses? Alors, passe sur la deuxième ou... Alors ce qui se passe, c'est que si on pousse la première, elle peut pousser, je pense, à plus de 90 km/h. Ouais. Donc c'est une boîte qui était appréciée pour les gens qui faisaient des runs. Ouais. Parce que ça poussait. Ils aiment bien les Américains, en fait. Ils aiment bien l'accélération très forte. Et après, la seconde passe, quand on ne pousse pas la vitesse, la seconde passe... Vous pouvez lui allumer les phares, là. Je vais lui allumer les phares. Ce qui tourne, je le refilmerai tout à l'heure, mais... Parce qu'on va aller très lentement, on reprend à droite. Ouais. Donc deux vitesses, ouais, je vous ai un peu coupé, donc c'était super, jusqu'à 90 en première. Voilà, et après, la vitesse passe, mais il y a un couple, bon... Ça fait combien de chevaux? Ça fait 300 chevaux. Ce qui était beaucoup, hein, pour l'époque. Pour une tonne, 350. Il y a le clignotant light qui clignote. Ouais. Voilà. Là, on a les paupières ouvertes, les phares sont. On est en plein phare. Si je ferme les paupières, ça va se mettre à clignoter pour pas oublier qu'en fin de compte, j'ai les phares allumés et qu'il faudra penser à les éteindre à un moment ou à un autre. Toujours question pratique hein, de Béotien. Pour moi, on n'a pas de direction assistée, j'imagine. Je vois là où on pouvait la voir. Cette voiture à la direction assistée. Ah, pardon. Mais elle est en panne. Ah, voilà, parce que je vous ai vu quand même manœuvrer. Voilà, c'est ça, je vous ai dit, bon, d'accord. Ouais. Mais c'était des options à l'époque, j'imagine. Oui, c'était une option. Les freins assistés. Celle-ci n'a pas à 90, à partir de 66, c'était en série. Ouais. Mais celle-ci n'a pas les freins assistés. Mais le freinage est efficace. Il y a quatre pistons. Enfin, bon, c'est double piston. Enfin, alors, je sais que quand on a une voiture de cette époque, la question peut paraître un peu incongrue, mais c'était soi-disant une sportive. Oui. C'est une sportive 50 ans après ou non? On la conduit vraiment comme une mamie? Moi, je ne suis pas un pilote. Ouais, mais personne l'est en fait, à part mais les vrais. Mais je veux dire, vous qui la conduisez quand même un peu avec plaisir, on cruise ou elle a quand même un peu... On fait les deux. Les deux. Ça veut dire quoi, on fait les deux? Alors, développer, on va un peu vite, on prend un petit virage serré. Ouais, c'est surtout les accélérations. Ouais. Voilà, les virages. Moi, je suis souvent en Savoie avec la montagne, mais bon, la montagne, la route n'est pas à nous, on la partage. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'aimerais, c'est un jour avoir l'occasion de rouler sur un circuit dégagé. Et... Ça, vous n'avez jamais pu. Non, mais on le passe le message. Un jour, voilà, mais un circuit sans barrière, c'est un circuit juste pour voir les limites, connaître un petit peu la voiture du véhicule, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Voilà, c'est toujours la question. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Mais justement, vous la conduisez depuis un an, vous vous dites je peux aller loin, ou au contraire, vous dites oh là, je ne la sens pas trop. En fin de compte, c'est surtout. Le problème, c'est de gérer l'adhérence. Ouais, c'est ça. Avec la puissance.
Donc c'est, elle tient bien la route, c'est une très bonne tenue de route, mais en effet, à quel moment on peut remettre les gaz, etc. C'est ça le problème un peu, et puis... Les charnières, mais la gueule des charnières, t'as besoin d'un coffre-fort, on se courait à Fort Knox, quoi. Mais ça, c'est de la charnière typique américaine, c'est vrai. On trouve ça sur tous les modèles américains, même les... Enfin, mais regarde la gueule. C'est vrai que pour une voiture sportive, c'est un peu... c'est du lourd, mais bon. Ce que j'adore, il y a toujours eu ce truc typique des Corvettes, quand on a, d'avoir les deux arts. On pourrait presque avoir un compteur ici. Ouais, à partir de... Ça s'est fait à partir de 56, je crois, la symétrie dans le tableau de bord. C'est trop beau. Et là, on a la boîte à gants. J'ai la garantie du constructeur des postes. Du vendeur, et j'ai aussi le nom du propriétaire. Ça, c'était une carte de garantie. Quand on allait, et là, on dirait un truc de jouet. On tirait un truc Matchbox. Et là, on a la petite notice d'époque, avec toutes les indications en anglais, comme ça. Voilà. Alors, ce sont des ceintures ventrales, bien sûr. Ceinture ventrale avec un petit enrouleur quand même qui se range là pour faciliter l'accès. Et puis voilà, mais c'est ventral. Ouais, ça, là, donc ça, c'est pour ouvrir la trappe au départ. D'accord. Ah oui, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça tombe pas en panne souvent. Ah là 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 là. Ça doit forcément tomber en panne, mais c'est beau. C'est moins capricieux que la série d'après en 63. Ce sont des moteurs à dépression. Et là, il y a des problèmes d'étanchéité, de membrane et des choses comme ça. Si je dis pas de bêtises, parce que je peux dire des bêtises. Ouais, ouais. Juste sur les pneus, c'est des Firestone, c'est ça? Alors, ce sont des Firestone, oui, radio. Un seul écrou, c'est un ça? Un seul papillon, oui. Soi-disant, c'était pour en course changer plus vite, c'est ça qui... Parce que là, vraiment, on dévisse à la main, quoi, avec un marteau en plomb. Ouais. J'adore apprendre un marteau en plomb. Oui, c'est-à-dire qu'on enlève, il y a une petite clavette, on enlève le cache, il y a une petite clavette que l'on rentre dans des encoches qui synchronisent avec le papillon et le noyau. Et pour resserrer, on tape 8 fois très fort, comme indiqué sur la notice, pour synchroniser encore, pour pouvoir rentrer la clavette. Et on la met, on remet le bouchon et on... Change une roue pour le faire. Et voilà. On pouvait commander des tas de kits à l'époque. On avait différents moteurs disponibles. On pouvait l'avoir en 6, en 8, avec des kits power, des machins. Enfin, déjà chez le dealer de GM, de base, il y avait beaucoup d'options. Et après, il y avait les catalogues de pièces d'aftermarket qui pouvaient faire à son goût aussi modifier. Parce que celui-là, etc. C'est le modèle de base ou justement. Voilà, c'est le modèle de base. Celui-là, d'accord. Il n'a pas été modifié. Regardez les enfants qui adorent. Vous voyez comme c'est beau. Non, mais au contraire, qui regardent, c'est merveilleux. C'est le plaisir automobile. Voilà, c'est vrai que les enfants ont une réaction enthousiaste. Même des petites filles de 3-4 ans, elles ont les yeux qui s'ouvrent et qui s'éclairent quand elles voient ce genre de choses. Alors qu'il y a des adultes qui ne calculent même pas. Il y a puissance sur le moteur. Combien de chevaux le moteur? Alors 300 chevaux le moteur. Hein, vous me dites si j'ai des bêtises, Pascal. Hein. C'est 300 chevaux. Elle est de 1966. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Et à côté. Ça, c'est pour ouvrir la fenêtre. Non, c'est pour ouvrir ce qu'on appelle le déflecteur dans le temps pour avoir du vent. On ouvrait. Il y a un axe. La vitre, voilà. Et comme ça, on a un peu d'air dans le visage. Sur la 4 chevaux, tu as la même chose. C'est vachement pratique. On devrait en refaire. Et la vitre, elle est électrique. Et ça? Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être la fermeture, non? Le petit. Oui, c'est condamnation, verrouillage. Voilà. Et c'est du plastique peint, d'ailleurs. Ça me donne une. Là, il y a des plastiques moussés un peu. Ouais, c'est ça. On va le montrer à Cédric. Si vous voulez, on va descendre deux secondes. Si vous aussi, vous voulez venir nous présenter votre voiture. Quelle qu'elle soit, tout ce qui roule nous intéresse sur POA. Envoyez-nous un mail à l'équipe@poa.tv. Vous nous envoyez 3 photos, quelques lignes, 2 descriptions. Et dans le descriptif, vous mettez le nom de la voiture pour que je puisse la retrouver facilement. Et on vous répondra et vous viendrez nous la montrer pour nous dire que c'est la plus belle, comme cette Corvette magnifique. C'est... Il y a un côté aérien, on dirait un squale, on dirait un aquarium, on dirait un poisson, on dirait... Elle est trop belle. Voilà.